Vous me dites quand c'est... C'est bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce donc cuisiner comme un chef. Donc on est en direct de Fesches-le-Châtel, donc dans la cuisine réalisée donc aujourd'hui, enfin ce soir, une recette pour les fêtes de Noël, une entrée. Donc je vais vous réaliser des noix de Saint-Jacques snack avec une sauce aux agrumes et aux poivres de Sichuan. Merci à toute la communauté d'être présente. À savoir que ce soir, on est en direct sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, n'hésitez pas à nos deux pages, Facebook et Instagram, et à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Énormément de vidéos et de trucs et astuces, dont des astuces que je vais vous révéler. Donc, pour réaliser cette recette donc, de sauce agrume, donc, on vous a donné, donc, je ne sais pas si ce soir vous allez cuisiner en même temps que moi, mais vous pouvez retrouver de toute façon la recette, et surtout pour les fêtes. Je vais utiliser notre kit, un coffret, un petit pack qui est composé en fait, d'une casserole de la gamme 4. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, du fouet magique, la cuillère magique, je verrai un petit peu plus aussi en détail. Et dans ce kit, vous avez aussi avec 8 recettes de sauces différentes. Je vous en parlerai un peu plus en détail encore tout à l'heure. Recettes salées, sucrées, enfin, plein de choses pour faire plein de petites sauces basiques. Donc je vais démarrer tout de suite la recette et on parlera un petit peu plus en détail des techniques et de ce petit. Donc je vais dans un premier temps presser mes agrumes, donc mes oranges, un citron. Donc l'idée c'est de récupérer jus d'agrumes. Donc pour ça, je vais mes agrumes. Tu peux mettre sur le tablier. Hop. Attendez juste un mètre. Voilà. Mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. C'est savoir en écrivant un petit message. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai plein de questions sur les produits, sur les techniques, l'utilisation des posées pendant le live. On les transmettra et j'essaierai d'y répondre. Donc surtout n'hésitez pas aux questions et surtout la cuisson dans l'inox parce que c'est de ça dont il va la cuisson aussi des Saint-Jacques dans la poêle en inox. Alors donc je vais hop. Par là voilà. On a encore un petit problème de son, je pense que ça va mieux, j'espère que parce que c'est un petit peu dommage. Voilà. Aline, c'est bon pour le son? C'est mieux? Ok. Ok. Alors j'espère qu'au départ, il y avait un petit peu de son. Tout le monde m'a bien. Ouais. Alors, oui, c'est bon. Alors, donc on va presser. Donc voilà, l'idée, c'est de récupérer de jus d'agrumes, donc l'orange plus citron. Donc en fait, les recettes pour ce kit sauce, c'est pour 4 personnes en général. Donc entre 4 et 6 personnes. Donc là, je presse mes oranges. Hop. Ok. Donc là, je vais rajouter. C'est parti. Alors, bien entendu, on peut très bien utiliser un jus pressé, qu'on peut acheter un jus pressé frais pour faire ça. Donc, là, le kit sauce, dans ce kit sauce, donc, vous
disais qu'il y avait une casserole Castel Pro, la gamme Castel Pro. Alors, c'est utilisé d'ailleurs dans l'émission Top Chef, hein, pour info. Avec un diffuseur de chaleur, c'est-à-dire que la chaleur se parvient. Donc ça, c'est vraiment idéal pour réaliser des sauces, surtout des sauces délicates comme par exemple les sauces hollandaises, des sauces émulsionnées, la béarnaise, une chaleur très homogène. En fait, c'est idéal pour ça, parce qu'elle chauffe partout, on a une triple épaisseur sur les côtés qui va vous permettre en fait d'avoir des cuissons totalement homogènes, même sur les bords. Donc ça évite que ça accroche, que ça... Alors, donc, hop, je rajoute le reste. Hop, je remets la pulpe. Je fais ma troisième orange. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez, un troisième orange. Cette sauce agrumes, donc là, je la réalise en accompagnement de ma Saint-Jacques, mais bien entendu, pour tout ce qui est poisson, hein, les poissons, soit du rouget par exemple, c'est vraiment une sauce idéale pour ça. Donc je vais rajouter tout à la fin de la baie de Sichuan. C'est un agrume en fait, c'est une petite coque qui a un parfum donc d'agrume, un peu d'orange, qui est assez fort en mettre, mais qui a l'avantage de donner beaucoup de parfum et un côté un peu piquant. Comme le et ça, ça permet de relever vraiment sa sauce et surtout tout ce qui est poisson, ça accompagne très bien avec les agrumes. Donc là j'ai mis mes oranges, je vais rajouter le jus de citron également. Voilà. Donc ça, c'était la partie la plus longue de préparer. De presser les agrumes. Voilà. Hop. Alors, donc bonsoir tout le monde. Je vois que pas mal de personnes se connectent. Voilà. Voilà. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Je vois pas de zeste. Alors, non, je vais pas mettre de zeste. Trop d'amertume. Dans ma sauce, les zestes, à la rigueur, je rajouterai en fait sur mon plat, une fois qu'il sera dressé avec ma sauce réduite, zestes de kombawa ou de citron vert, de façon à donner un peu de fraîcheur, un peu de peps. Je mets juste le jus. Donc l'idée, je vais faire réduire donc mon... Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, on a des graduations. Donc, on n'a pas besoin forcément de verre mesureur. On a des graduations sur le côté. Donc, comme ça, vous pouvez mettre votre liquide et mesurer grâce à ça. Donc là, je mets mes agrumes. Mon jus d'orange. Donc là, je vais mettre à feu plutôt vif. Donc, quand on a des liquides dans le matériel à fond, hein, pour aller réduire son liquide rapidement. Par contre, toutes les autres utilisations dans les produits cristal, on ne va jamais dépasser les deux tiers de la puissance chauffée et brûler les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc là, hop. Donc, je vais mettre à feu maintenant un bon deux tiers pour que ça mijote et que ça réduit. Voilà, voilà. Alors, quand ça réduit un petit peu, je fais réduire donc de moitié. Je vais dans le petit livre de recettes qui accompagne donc ce petit sauce. Vous avez donc ça démarre, vous voyez, avec une sauce béchamel.
une petite. On a quoi d'autre? C'est les bases, hein, oui, une sauce hollandaise. Donc là, on a vraiment une sauce curry également. Sauce au poivre. Donc la fameuse sauce aux agrumes qu'on est en train de faire ce soir. Une sauce Gaston Gérard. Donc ça, c'est vraiment pour accompagner ce qui est poulet. Gaston Gérard, donc c'est une qui vient de Dijon, donc qui est à base de moutarde, de comté et de paprika. Une recette emblématique bourguignonne. La sauce tomate. Voilà. Et en dessert, comme je vous le disais, la sauce. Voilà. Vous voyez le... un gros plan sur la. Hop. Voilà. Donc, on a du sucré et du salé. Donc, voilà, c'est l'idée de sauce facile à faire. C'est vraiment très simple. Là, vous allez voir la sauce agrumes, c'est simple. On va faire réduire ce jus d'agrumes. On va ajouter ensuite de la crème qu'on va faire réduire en montant au beurre avec du beurre froid. Voilà, vraiment monter au beurre. Et pour ça, la cuillère magique, c'est un petit fouet, une petite spirale. Donc, il y a avec le fouet, il est super pratique parce qu'on va pouvoir faire des petites émulsions. On a une sauce où on va réaliser un roux. Donc, le roux, c'est un mélange de beurre fondu et de farine. Fouet, on va pouvoir mélanger, ça fait pas de grumeaux. Donc ça c'est génial, ça fonctionne super bien. Et puis hollandaise, les sauces béarnaises, on va avoir besoin ou alors du beurre clarifié. Et bien ça va aller vraiment super grumeaux. Donc ça c'est vraiment pour les petites émulsions. C'est pas un fouet qui est fait pour monter la crème qui sauce vinaigrette aussi, les vinaigrettes donc les sauce froide, c'est parfait. Donc, personnellement, je ne connaissais pas vraiment ce type de fouet. Je l'ai découvert depuis que Christelle et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est avec le kit. Donc là, mon jus d'agrumes est en train de réduire. Donc je regarde en même temps, hein, sur, je vois des petites questions. Je vais rajouter, donc là dans mon jus d'agrumes, qui a des. Je vais rajouter. Donc voilà. C'est les joies du direct. Hein. On a des problèmes de son. Hop, déjà je vais remettre ça ici. Alors ici j'ai. Attends, c'est éteint. Ben, Aline, si tu veux, je vais te donner mon micro-cravate, si tu veux. Il est éteint. Alors, dans mon jus d'agrumes, ça y est, ça marche. Quand ça clignote, c'est que ça marche. Merci. Hop là. Donc, dans mon jus d'agrumes, là, je vais rajouter 8 centilitres. Je vais en profiter. Mélanger avec mon fouet. Voilà. Ah, j'ai entrecuit du sang. Ok. Voilà. Et là, donc, je vais encore faire réduire deux moitiés. Je vais faire réduire ma sauce. Encore deux moitiés. Pendant ce temps, de m'occuper de mes Saint-Jacques. De faire snacker mes Saint-Jacques dans ma poêle en inox. L'inox, c'est vraiment. Un matériau spécifique d'avoir des saisies, des colorations parfaites pour tout ce qui est viande. Alors, après, pour tout ce qui est poisson, on recommande souvent d'utiliser une anti-adhérente parce que c'est plus simple. Mais pour tout ce qui est voyez, Saint-Jacques, des crustacés à chair ferme, hein, des coquillages et crustacés à chair ferme, dans la poêle en inox, et au contraire, c'est même mieux parce qu'on va avoir une belle saisine. Alors, pour donc réaliser mes petites Saint-Jacques snackées, poêle, donc à 2/3 de la puissance de ma source de chaleur, qui va jusqu'au chiffre 12, donc
2 tiers de 12. Hop, voilà. Je vais mettre à 8. Une plaque qui va jusqu'à 9, on met 6. Si vous avez une plaque qui va jusqu'à 15, on met. Si vous avez du gaz, en fait, vous mettez un peu plus que feu moyen. Voilà. Pourquoi on met à 2 tiers ? Parce qu'en fait, le matériel, enfin, tous les ustensiles qui sont avec des fonds thermodiffuseurs hyper réactifs, donc on n'a pas besoin de mettre plus fort à l'intérieur. Alors, si vous mettez à fond, le problème, c'est que ça va surchauffer. Et, alors, donc, je vais les sous, ça n'en mettre de trop, huiler mes petites Saint-Jacques. Comme ça, ça permet, elle colore parfaitement. Hop. Ma petite pince. Voilà. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout au début du live, sur notre chaîne YouTube, des vidéos. Il n'y a pas à vous abonner. Des petites vidéos, trucs et astuces hein, pour bien utiliser, comme comment faire une omelette dans une poêle en inox, comment faire une crêpe, enfin voilà, faire des pommes de poisson dans l'antiadhérent. On a énormément de vidéos et des tutos pour vraiment vous expliquer comment des produits. Et puis, de toute façon, si vous voulez un conseil d'utilisation, n'hésitez pas aussi à aller dans tout ce que vous pouvez retrouver sur le site, à la rigueur. Hein, vous pouvez taper le code postal au revendeur Christelle dans votre région à côté de chez vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les sources se trouvent chez tous nos revendeurs partout en France. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, dans les magasins, on a fait les sauces. On a fait aussi des coffrets Alors, on a eu un petit souci, une petite coupure. Décidément, ce soir, le son, la coupure Internet, voilà. Donc, on reprend. Alors, j'espère que vous êtes encore tous là. Oui, c'est bon, parfait. On va y arriver, on va y arriver. C'est direct, c'est comme ça, c'est le charme, c'est le charme du direct. Donc, j'en étais à, j'ai chauffé, donc préchauffé ma poêle à 2/3 de la puissance de ma source de chaleur. Ensuite, il faut absolument déterminer une bonne température dans ma poêle. En fait, pour que ma viande, mes crevettes, mes Saint-Jacques ne collent pas, il faut absolument que la poêle atteigne une température d'au moins 160 degrés. Et à partir de cette température-là, on est sûr que ça va bien griller, cautériser. Et donc, quand ça cautérise, donc il va y avoir une réaction de Maillard qui va se faire, eh bien, le produit va pouvoir se détacher. Donc, pour savoir si ma poêle ou ma sauteuse ou mon wok est à cette température minimale, eh bien, on fait un test avec de l'eau. C'est-à-dire, quand on jette de l'eau, il faut absolument que l'on voit les petites billes d'eau apparaître. Si vous voyez l'eau s'évaporer instantanément, c'est que la poêle n'est pas assez chaude. Donc là, on voit qu'il y a des petites perles, des petites billes qui roulent dans ma poêle. Vous voyez ? Donc là, ça veut dire que ma poêle est à bonne température. Donc je vais déposer mes Saint-Jacques. Voilà. Alors, moi j'ai pris que 3 Saint-Jacques hein, pour faire pour une personne, mais bien entendu, vous adaptez la taille de la poêle par rapport au nombre de Saint-Jacques que vous allez mettre dedans, faire tout d'un coup.
Et ce qui est très important, quand on fait une cuisson comme ça dans l'inox, donc là avec mes Saint-Jacques, j'ai légèrement huilé, mais une viande, vous pouvez très bien la mettre comme ça, sans matière grasse. Mais ce qui est vraiment important, que vous mettiez un peu de matière grasse ou pas, c'est d'attendre 30 secondes, 1 minute, que la coloration se fasse et que votre viande, ou là en l'occurrence votre noix de Saint-Jacques, se décolle toute seule. Donc en fait, il va falloir attendre qu'elle se détache. Donc on teste, vous voyez. On voit que ça résiste. Eh bien, si ça résiste, on n'insiste pas. Par contre, vous voyez là, hop, ça y est, elle se détache. Donc là, je peux la décoller et la retourner. Ça se fait tout seul. Si je veux qu'elle soit un peu plus colorée, je la laisse un tout petit peu plus longtemps. Mais il ne faut surtout pas essayer de retirer sa Saint-Jacques, son morceau de viande, si elle reste encore collée. Sinon, vous allez tout arracher et après, ça va rester, ça va brûler au feu. Donc, là, elle se décolle toute seule. Parfaite. Hop. Et on fait colorer. Voilà. Donc, exactement la même chose de l'autre côté. Je vais attendre que ça colore bien. Donc, je suis toujours à deux tiers de la puissance. Hop. Une fois que l'autre face sera colorée, je vais baisser à un tiers. Donc, je vais passer de 8 à 3-4. Et là, je vais terminer la cuisson. Alors, les Saint-Jacques, c'est très rapide à cuire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de beurre pour pouvoir arroser mes Saint-Jacques, pour les nourrir un petit peu avec du beurre, les assaisonner, pour qu'elles soient bien savoureuses et qu'elles soient bien moelleuses. Hop. Donc, là, on peut s'apercevoir que ça se décolle aussi de l'autre côté, hein, sur la deuxième face. Donc là, c'est parfait, hein, vous voyez. Hop. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'inox, vous voyez au fond de la poêle, on récupère des sucs. Et ça, les sucs, c'est ce qui va donner aussi tout le goût à la sauce, au jus. Donc après, on peut déglacer, hein, rajouter un petit liquide, ça peut être de l'eau, de la crème, du vin blanc, peu importe, et ça fait un bon jus. Donc l'avantage de ne pas avoir mis vraiment de matière grasse au départ, c'est qu'on ne se retrouve pas avec de la fumée, des graisses qui brûlent et qui sont nocives pour la santé. Là, j'ai baissé le feu sous ma poêle, donc je vais pouvoir mettre un petit peu de beurre, voilà. Comme ça, et je vais arroser, nourrir mes Saint-Jacques. Donc pour ce faire, on prend une petite cuillère et hop, on arrose, voilà. Comme dans Top Chef, pareil. Et vous voyez, mon beurre, il garde une belle couleur. C'est-à-dire qu'il n'est pas brûlé. On n'a pas un beurre qui devient noir. Là, au moins, je sais que mon beurre n'est pas nocif. Comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'assaisonnement. Donc là, je vais mettre du poivre. Je mets un poivre classique, plutôt classique, pas le poivre de Sichuan pour ma sauce. Je vais rajouter un petit peu de sel parce que j'avais pas assaisonné au départ. Et puis là, hop, j'arrose. Et là, je vais retirer après mes Saint-Jacques pour qu'elles restent bien translucides. J'ai un rond comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Super. Hop. Donc, je vais couper mon feu. Je vais retirer mes Saint-Jacques, je vais les réserver tranquillement sur le côté ici, voilà, pour pas qu'elles surcuisent. Hop, je laisse ma poêle de côté, qui va être encore un petit peu chaude, à la rigueur au dernier moment. Si je vois qu'elles ont un peu refroidi, je les remettrai un petit coup dedans, je les réchaufferai pour qu'elles soient bien chaudes pour le dressage. Alors, si vous voulez, petite astuce, si vous êtes nombreux pour les fêtes et vous voulez faire ce genre de plat, alors c'est des cuissons un peu à la minute, n'hésitez pas à juste les snacker sur chaque côté comme ça, les deux faces, et ensuite vous les retirez, vous les mettez sur une grande plaque qui va au four avec un papier sulfurisé. Et puis au dernier moment, quand tout est prêt, vous mettez votre four assez chaud à 180 degrés et puis vous les repassez dans le four pendant quelques minutes. N'hésitez pas à tester avec la pointe d'un couteau, hein, en piquant de temps en temps, pour voir si elles sont tièdes, chaudes à l'intérieur. Voilà. Ça permet de pouvoir en faire énormément à la fois, hein, parce que sinon, ce n'est pas toujours évident
quand il y a beaucoup de convives, de pouvoir tout faire à la minute. Voilà, alors ici, ma sauce, elle a bien réduit. Hop. Alors, au niveau de la sauce, alors pour la sauce, je vais réexpliquer parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas pu suivre, puis il y a eu quelques coupures de son. Alors, pour la sauce, j'ai démarré, donc j'ai pressé 3 oranges, un citron pour obtenir environ 40 centilitres de jus d'agrumes. J'ai fait réduire ce jus d'agrumes de moitié dans ma casserole. Une fois que j'avais réduit de moitié, j'ai rajouté 8 centilitres de crème que j'ai encore fait réduire de moitié. Et là maintenant, donc ma sauce, regarde, elle est beaucoup plus onctueuse parce que ça réduit un petit peu avec la crème. Eh bien, hors feu, donc là j'ai éteint, la chaleur dans ma casserole va quand même rester. Je vais incorporer avec mon fouet, ma cuillère magique, du beurre froid, des cubes de beurre froid. Donc je vais monter au beurre. Allez, je récupère mon beurre. Alors ça, c'est une technique culinaire, monter au beurre, qui est très simple. Alors il faut bien prendre du beurre froid, parce que si le beurre est un peu à température ambiante, en fait, il va vite se dissocier et on va se retrouver avec une couche de gras en surface de sa sauce et on n'aura pas d'onctuosité. Donc là, je vais mettre mon beurre, des petits cubes de beurre comme ça, petit à petit, j'en mets 2-3 à la fois, et je fouette. Donc vous voyez, je vous parlais de ce petit fouet magique là, cette cuillère magique. Ça va tout seul, c'est parfait. L'avantage c'est que c'est un peu incurvé comme ça, donc ça prend bien, ça épouse bien la forme de ma casserole. Et là en fait, la chaleur de ma sauce, de mes agrumes, vont permettre à mon beurre de fondre tranquillement et à donner de l'onctuosité à ma sauce. Alors, une fois que la sauce est réalisée, quand on la monte au beurre, enfin, toutes les sauces émulsionnées comme ça avec une matière grasse, c'est très important après de la réserver, de la maintenir au chaud, mais à température très basse, voire au bain-marie. Parce que si on chauffe un peu trop fort, si on la réchauffe à feu un peu vif, eh bien, la matière grasse du beurre va se dissocier et ça vous est retrouvé avec une couche d'huile, une couche de graisse au-dessus et la sauce en dessous. Donc, une fois qu'elle est réalisée, faire très attention à la maintenir au chaud, mais à feu doux, voilà, tempéré, ou au bain-marie. Voilà, avec la gamme Castel Pro, comme je vous expliquais tout au début, elle a une triple paroi sur les côtés, ce qui permet de chauffer absolument partout. Ça va me permettre aussi de garder la chaleur plus facilement. Donc, une fois qu'on a terminé, on met un couvercle et on peut la garder au chaud très longtemps, quasiment une heure sans problème. Voilà, donc je continue à émulsionner. Et puis à la fin, au dernier moment, je vais rajouter, je vais mettre ma baie de Szechuan. Donc, vous voyez cette petite baie là, j'en ai mis un petit peu là. Vous voyez, c'est des petites coques, on dirait des coques. On dirait ouais, comme un petit agrume, comme une peau d'orange. On dirait comme un kumbawa qui est ici. Donc c'est une baie, hein, c'est vraiment pas un poivre, mais on l'appelle poivre, une baie, baie de Szechuan, mais qui est très piquante à l'intérieur de cette baie. C'est unique, une molécule qui s'appelle hydro-alpha-100-joule. Alors c'est un nom un peu bizarre, mais en fait c'est une molécule irritante, piquante et même anesthésiante. C'est-à-dire que si quelqu'un autour de vous parle de trop, hein, comme moi en ce moment, eh bien, faites manger 2-3 baies comme ça de baies de Szechuan et ça vous paralyse pendant quelques minutes la bouche. En fait, voilà, vous vous retrouvez complètement paralysé. Donc ben voilà, ça peut être aussi une petite blague. Voilà, faut pas non plus trop en mettre. Mais l'idée, c'est vraiment d'en mettre un petit peu. C'est subtil, mais faut faire attention parce que c'est quand même un petit peu irritant, un peu piquant. Par contre, ça parfume comme une orange. Voilà. Donc vous voyez, on a de l'onctuosité dans la sauce. Alors c'est vrai qu'on voit un petit peu moins derrière l'écran, mais ça lui a donné du corps. Hein, le fait de la monter au beurre comme ça, avec un beurre froid hors feu, ça lui donne de la consistance et du corps. Voilà, super. Hop, et bien parfait. Je vais terminer. Alors, je vais finir de faire fondre
les derniers petits cubes de beurre. Je vais donc assaisonner. Donc là, j'avais mis dans mon petit poivrier ma baie de séchoir. Hop, voilà. Je vais rajouter également un petit peu de sel. Voilà. Parfait. Et voilà, donc ma sauce est prête. Voilà. Et là, donc, je vais passer maintenant au dressage. Donc, c'est assez rapide. On a mis 20 minutes. Bon, on a eu quelques petits soucis techniques. Mais on a à peu près, en 30 minutes, on peut faire largement la recette sans problème. Donc là, je vais prendre mon assiette. Alors, au niveau de la quantité de beurre, on a 50 g de beurre coupé en petits cubes, hein, qu'on laisse bien au frigo pour que les petits cubes de beurre soient bien fermes, bien durs. Voilà. Donc, 40 cl de jus d'agrumes, 8 cl de crème liquide, 50 g donc, de beurre frais et de la baie de séchoir. Voilà. Alors, pour le dressage, ça va être très simple, facile, rapide. L'idée, c'est que vous puissiez refaire comme ça la même chose à la maison. Donc, une fois qu'on a ces Saint-Jacques qui sont réchauffés, voilà, on en dépose 3, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai ma sauce qui est prête. Voilà. Donc, onctueuse. Comme ceci, je vais en mettre un petit peu au centre. Voilà. Hop. Alors, pour donner un petit peu de... un côté un petit peu plus gastro. Alors, c'est pas du caviar, c'est des œufs de limpe, mais ça permet d'apporter un petit peu de saveur en plus. Voilà, comme ceci. Et puis, on rajoute quelques herbes, quelques petites échos. Là, j'ai trouvé des petites fleurs comestibles. Donc, ça, c'est des pensées. Donc, ça permet de faire quelque chose de plutôt sympa. Mais on peut très bien rajouter comme herbe de la coriandre. Alors la coriandre avec les agrumes, c'est vraiment l'herbe par excellence. Ça se marie très très bien. Petite coriandre avec une sauce agrume, ça c'est top. Et voilà, mais ça on peut en trouver absolument partout, sans souci. Je rajoute un tout petit peu de sauce, comme ceci, voilà. Hop. Et pour terminer, pour donner un petit peu de peps, un peu de fraîcheur, pour accentuer le côté agrume, eh bien, je vais mettre un petit peu de kumbawa comme ça. Hop, voilà. Tac, voilà. Par-dessus. Donc voilà, ma petite assiette est prête. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à déguster. Voilà. Alors, j'espère que ce live vous a plu. Alors, désolé pour les petits soucis techniques qu'on a pu avoir, mais c'était la première. Alors... c'est normal, sur la première, il y a toujours des petits soucis techniques. N'hésitez pas, donc, comme je vous le disais, à liker nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Comme ça, vous pouvez retrouver aussi toutes les vidéos, toutes les astuces. Et puis, je vous souhaite, en attendant, une bonne soirée. Je vous souhaite de très, très bonnes fêtes à toutes et à tous avec vos familles. Et surtout, n'hésitez pas à suivre donc, nos réseaux. Car on fera des lives, on fera des nouvelles recettes dès le mois prochain et on va en faire régulièrement de façon à vous montrer toutes les astuces, tous les trucs qu'on va faire avec les ustensiles Christel. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce petit set, ce petit kit sauce à toutes les sauces chez tous les revendeurs de France Christel. Voilà, bonne soirée à tous, merci et à bientôt.